Michel, je vais te prendre une bière. Tu veux pas plutôt aller te faire foutre? Non, je vais plutôt prendre une bière. Ok, c'était juste pour être sûr. Aujourd'hui, je vous ai dégoté une idée comme je les aime. Une idée si puissante et en même temps si évidente qu'elle a créé un genre à elle toute seule. Je veux bien sûr parler du premier jeu musical, Parappa the Rappiste. The Rapper. Parappa the Rapper, c'est exactement ce que j'ai dit, merci Michel. Mais il n'y avait pas Autoki avant? C'est le shoot musical là. Michel, je t'invite à fermer ta gueule. Maintenant, moi je parle du vrai jeu musical. Comme il y en a eu des dizaines depuis, vous savez, celui où il y a une partition qui défile et où il faut appuyer sur des boutons en rythme. Comme Beatmania, DDR, ou plus récemment Rock Band ou Guitar Hero. Et tu sais qui est-ce qui a inventé ça? Eh bien c'était mon pote Matsuura Masaya. C'était en 1996, soit quasiment 20 ans avant qu'il ne compose les merveilleuses musiques de mes merveilleuses émissions. Ce qu'il faut savoir sur Masaya, c'est qu'il n'a pas vraiment le profil type d'un créateur de jeux vidéo. Lui était plutôt du genre pop idol. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché pour lui dans les années 80, puisqu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Size. Bon, les vieux otaks français le connaissent plus pour la chanson Angel Night, générique de City Hunter 2, ou Nicky Larson. Et c'est sûr que ça change de Bernard Minet. Oh, hey, tu restes tranquille avec Bernard, espèce de fils de pute. Mais revenons à ce qui nous intéresse ici, à savoir comment ce petit génie des synthés a-t-il eu l'idée de créer le premier jeu musical. あんまり単純に一つの理由でこういうふうになったわけではなくてですね、まず最初にそれまでは僕普通にミュージシャンとしてレコードを作るだけの仕事をしていたわけなんですけども。 僕らよりも例えば10歳ぐらい年上の先輩たちはやっぱりライブで演奏することが音楽の出発点だったりしている人たちが結構多かったんですけど、僕らはやっぱりもうちょっとバーチャルなっていうか打ち込みとかで音楽を作ったりするっていうことが最初からのキャリアの成り立ちだったもんですから、 もうちょっと当時、例えば、MTV とかね、そういう音楽と映像とかがこう一緒に表現されるみたいなことが徐々に始まり始めていた頃でもあったんですけど、そんなことをいろいろやっていくうちに、もうちょっと面白い表現があるんじゃないかなと。で、映像もそうだし、例えば CGもそうですし、音楽もそうだし、あるいはプログラムとかですね、そういうものをもうちょっとこうなんか総合的に表現するっていうことができるんじゃないかと、そっちの方がどうもなんか面白そうだなというのがまあ最初のきっかけだったと思います。 Alors quand on a une bonne idée, encore faut-il pouvoir la mettre en place, la mettre en pratique. Bon, pour cela, Matsuura a pu s'appuyer sur les équipes de développement de Sony. Et on peut dire qu'ils en ont bavé, particulièrement au niveau du rendu graphique. Parce que ça avait l'air simple, des petits personnages en 2D comme des feuilles de papier dans un monde en 3D, mais en fait c'est un vrai cauchemar à mettre en place. Rodney-san a écrit ce genga, qui est en平面で描いてくるわけなんですけど、それを立体にしようとして努力したんですけど、ダメだねっていう話になって、 で、どうやったらこのキャラクターの味がそのまま残せて、なおかつゲームに持っていけるかっていうのを、いろいろこう考えてるうちに、その平面のまま立ち上げればいいんじゃないっていうアイデアにたどり着いたことですね。 ほぼ厚みのない3Dのキャラクターを作るので、 例えば、今の例えば CG って、こういうちゃんとこう立体になっているものにこうテクスチャーを貼るとかっていうのはすごい、どんなソフトでもみんなすごいお得意なんですけど、パラッパって厚みがないので、こっち側に顔描いてあるじゃないですか。で、こっち側に後頭部が描いてあるんですよね。そういうふうに、その、
厚みのない1枚 の, その平面に表裏にこう違うテクスチャーを貼るとかっていうようなことがなかなかできなくてですね、それ単純なことなんですけど、だからそれをやるたんびになんかそのソフトがね、それをやったらこういうことが起こりますよみたいなアラートを出すわけですよ。それを無視してやりますかっていうのをいちいちやるっていうのをずっと押し続けなくちゃいけなかったらしくて、それがすごい面倒くさかったって言ってましたね、うん。Et tandis que le Japon, puis le monde entier succomberont à la mode des jeux musicaux, Matsuura, lui, fera quelques suites à Palapa, mais se lancera surtout dans d'autres expérimentations entre le jeu vidéo et la musique, comme Vibribone notamment. Il n'a finalement pas fait partie de ceux qui ont exploité le filon jusqu'au trognon de la corde du trou du... préférant tenter de nouvelles choses. Aujourd'hui, il continue ses activités et s'apprête à sortir un jeu smartphone où l'on chasse de petites créatures en musique avec un clavier de synthé. Et bah voilà, ça c'est fait. Et tu vas où là? Bah là j'allais, comme tu proposais, je vais plutôt aller me faire foutre par là. Parce que et c'est... la note non, là non mais c'est gentil, mais en fait vraiment je vais plutôt aller me non, faire... Non mais tu reviens et tu payes ta bière, c'est quoi ces histoires là? Attends, le mec il s'en va et...